comme le présenter pour le gros méchant Buck. Genre ? Eh oui ! Nez rouge, blouse blanche, 20 ans de rire médecin. C'est un livre de Bernard Mathieu. Les photographies sont de Jacques Grison. C'est une association qui a été fondée par Caroline Simon. Bah, cette association, en fait, permet aux enfants qui sont hospitalisés de rencontrer des clowns qui viennent les distraire, leur rendre la vie à l'hôpital un peu plus agréable. J'adore. Alors, je me souviens, tu vois, dedans, il y avait des phrases comme qui résument un petit peu l'ensemble du livre. On ne peut pas me faire ma piqûre. Les clowns ne sont pas là. Fais rire mon papa. Ben voilà, déjà on voit un petit peu la complicité. On voit bien que les enfants ont bien compris l'importance des clowns. Alors les enfants sont contents, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le personnel médical est très satisfait aussi. Et il travaille main dans la main avec les clowns. Tiens, ce passage où l'infirmière nous parle des clowns. J'ai découvert des gens géniaux avec qui j'avais vraiment envie de travailler. Ils étaient souriants, ouverts, ils étaient doux, gentils avec l'entourage, avec les patients, avec les parents. Ils étaient intelligents et ils avaient une intelligence de cœur. Tu comprends ça? Une intelligence de cœur? Ah non, non, non. Le cœur, quoi. Ah si, le cœur. Si vous voulez découvrir les expériences des enfants, des infirmières, des parents également, n'hésitez pas à emprunter Nez rouge, blouse blanche, 20 ans de rire médecin. C'est un livre formidable, une belle expérience. Un regard sur l'enfant à l'hôpital. Bon, et voilà, c'est terminé pour le gros méchant Book. Le grand méchant Book. Oh pardon. Le grand méchant Book.